Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de faire un retour sur le conseil municipal qui s'est déroulé hier soir. Nous avons débattu, échangé sur plusieurs délibérations et notamment sur un vœu, sur la nouvelle technologie 5G. Alors je sais que beaucoup de Livriens s'inquiètent de l'implantation de ces antennes et donc nous avons demandé à travers ce vœu la transparence de l'État sur les études sanitaires et de santé publique afin que nous puissions en effet les transmettre aux habitants. D'autre part, nous avons demandé aussi la transparence de la part des opérateurs afin qu'ils puissent communiquer bien en amont sur la mise en place de ces antennes sur le territoire de la commune. Nous avons également délibéré sur la création de deux instances de concertation jeunesse. Le Conseil local de la jeunesse pour les 12-15 ans et l'Assemblée citoyenne pour les 16-25 ans. Cette volonté d'inscrire la jeunesse dans des instances de concertation est aussi un objectif du mandat afin de permettre aux jeunes de s'exprimer, d'échanger, mais surtout de construire des projets pour eux et également de dessiner l'avenir de notre commune. Enfin, une délibération chère à notre cœur sur la mise en place d'activités physiques et sportives au centre nautique pour les familles avec un enfant en situation de handicap. Elle vient à la suite des ateliers passerelles qui ont été créés il y a 2 ans et renforce notre volonté d'inclure l'ensemble des Livriens et l'ensemble des jeunes Livriens dans notre politique d'animation et d'activité pour tous.